Bonjour les amis contes, ici Angélique Barbry pour la chaîne Contes et Cookies. Je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire. Prêt pour ce voyage? Choisissez une position confortable. Détendez-vous. Fermez les yeux. Ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter. Aujourd'hui, un conte des frères Grimm. Ce conte s'appelle La demoiselle de Brakel. Une demoiselle de Brakel alla un jour à la chapelle de Sainte-Anne, au-dessus d'Unenburg, et comme elle désirait beaucoup trouver un mari, se croyant seule dans la chapelle, elle se mit à chanter. Ô Sainte Anne bénie, trouvez-moi un mari. Vous le connaissez, oui, il est blond, il habite à Sutmer, près d'ici. Vous le connaissez, oui. Le sacristain, qui se trouvait derrière l'autel, entendit cette chansonnette et se mit à crier en se faisant une toute petite voix de tête très pointue. Tu l'auras pas, tu l'auras pas. La demoiselle eut dans l'idée que c'était le petit enfant Jésus, tout près d'elle, dans les bras de la Sainte Vierge, qui lui avait crié cela. Et elle lui rétorqua furieuse. Taratata, petit bonnet, tu ferais mieux de boucler ton museau et de laisser parler la mère. Voilà, j'espère que ce petit conte vous aura plu et je vous retrouve dès demain. Au revoir les amis contes.